Right, welcome back, and it is 7:33, time for us to quickly dive into the press review this morning. And we have with us on set Peter and Sausage. We almost say good morning, Peter. Good morning, Sandrine. How was your night? Love your hair. Oh, thank you. Yeah. Etienne. Bonjour. Bonjour, c'est comment? Ça va, un géant parmi les... Well, let's keep starting the press. Yeah, we start right away with the first part of the press review dedicated to the tabloids in English. We have just two dailies, but we start with the first one, which is of course the Lone English Daily, the Guardian Post. The Guardian Post looks at the 2018 presidential elections and focuses on the SDF flag bearer, Honorable Joshua Nabangi Osi. The paper tries to look if Joshua Nabangi Osi has a chance in the 2018 presidential elections and presents why Osi Joshua may perform worse than Funzi in the upcoming presidential elections. You want to find out arguments which are the post, which the Guardian Post rather brings forth to predict if Joshua Osi stands a chance of performing worse than John Funzi. It is the lead story on the Guardian Post this morning. The fate of Ambazonian leaders who were captured from Nigeria also makes news in the Guardian Post, as Communication Minister and Government Spokesman Isaac Chiroma Bakari speaks on the health condition of detained Ambazonian leaders. Isaac Chiroma spoke over French radio RFE that they are in good shape and yet their charges will be made known later. You'll get the developments on that on page 5. Nigeria is soliciting funding to handle the influx of Anglophone refugees. Already, the UN High Commission for Refugees says there are close to 50,000 refugees out there in Nigeria fleeing the conflict in the northwest and southwest regions of the country. You'll get developments on that on page 5. 30-year jail term hangs over Atangana Kuna. The charges against him have been made known. Amongst them is clandestine immigration. You get developments on that on page 2. Still on page 2, a Yaounde court overturns minister's decision sacking worker as the court orders a payment of 8 million francs CFA as damages. You get more on that in the inner pages of the Guardian Post. And in the human interest story of the ongoing Commonwealth Games, 5 Cameroon athletes escape at Australia Commonwealth Games. Well, we do have some other information that latest information say three others have also escaped, bringing the number to 8 Cameroonians who have evaporated from the Games village in Gold Coast, Australia. We now look at Cameroon Tribune. Cameroon Tribune, which is the public bilingual daily. The paper looks at the promotion of bilingualism and multiculturalism. Cameroon Tribune says that Cameroon is trying to tap best practices from Canada, as the visiting parliamentary secretary of the Minister for Foreign Affairs of Canada, Matt Dukuse, yesterday, the 10th of April, held separate discussions with Prime Minister Philemon Yang, as well as Peter Mafani Musonge, President of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism. The audiences took place in Yaounde. You get the content of the exchanges on page 3 of Cameroon Tribune. And on this sad page, Richard Nyabole passes on, the former chief of the Communication Center at the Embassy of Cameroon in Washington, and one-time Cameroon Tribune's editor-in-chief and most prolific writer, died on Monday in the United States of Nigeria. You read more on this prolific writer who was one-time the editor-in-chief of the public bilingual daily Cameroon Tribune. You get that on page 12 and 13 of the paper. And it's on that note that we end the first part of the review. We now look at what the French tabloids are for readers this morning. Thank Merci. You very much. We continue immediately with you. Because I said thank you very much, Peter. We continue immediately with you for today because Narcisse is not around. Allez, on va la faire en français maintenant, lire quelques grandes unes des journaux parvenus à notre service de l'information ce matin. On commence tout de suite avec le Cameroun Tribune, le quotidien national bilingue qui titre en grande une « Nord-Ouest, Sud-Ouest, Ouest-Littoral ».
Paul Biya, candidat des chefs traditionnels hier à Douala au cours de la quatrième étape de sa visite du travail dans les régions. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, s'est entretenu avec les chefs Sawa qui lui ont transmis une déclaration d'appel à candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle lors des précédentes étapes. Des appels du même genre lui ont été transmis par les autorités traditionnelles du nord-ouest, du sud-ouest et de l'ouest. À lire donc en page 4 et en page 5 et 6, oui, tout un dossier là dans le Cameroun Tribune de ce matin. Un autre quotidien dans les kiosques ce matin, c'est celui de l'économie qui titre en grande une ajustement budgétaire. À peine 11 milliards de francs CFA pour le ministère de la décentralisation. Le président de la République vient de signer une ordonnance attribuant ses ressources pour la mise en place de ce nouveau département ministériel créé le 2 mars 2018 en Piet Une. On parle d'agriculture dans le quotidien de l'économie ce matin. Menace sur la filière céréale. En page 4, retrouvez l'information dans votre journal Le Quotidien de l'économie. La nouvelle expression en grande une titre ce matin, Frondi au Sénat, le démenti du SDF. Le chairman du Social Démocratique Front n'a entamé aucune négociation pour être nommé sénateur par Paul Biya, a répondu le ministre du Shadow Cabinet du SDF en charge de l'information à Jeune Afrique qui a publié que John Frondi a été discrètement reçu au palais d'Itoudi pour la cause. En page 4 dans la nouvelle expression de ce matin, vous aurez donc l'information. Au pied de sa une, on parle de décentralisation, 3 milliards pour les magistrats municipaux. Le budget alloué pour l'exercice 2018 prévoit 5 milliards pour la dotation générale de fonctionnement et 5 milliards pour la dotation générale d'investissement. En colonne, vous pourrez retrouver dans la nouvelle expression de ce jour, gouvernement, où est passé Elanga Obama. Peut-être des réponses à cette question en page 3 dans la nouvelle expression de ce matin. Accident de la route, Ngalebibé veut durcir le temps. Comment et pourquoi à lire en page 6. On parle de télécom également dans la nouvelle expression de ce matin et un fait plutôt assez insolite mais pas du tout surprenant pour les observateurs de la scène sportive au Cameroun. Jeux Commonwealth 2018, des athlètes camerounais portés disparus. À lire dans la nouvelle expression parution de ce matin. Un autre journal, un quotidien qui traite l'actualité autrement, c'est le quotidien Info Matin qui titre en grande une Frondi au Sénat. Le SDF accuse Jeune Afrique de manipulation. En page 3, vous aurez plus de détails sur cette information. Secrétariat d'État à la Défense, la gendarmerie que laisse Bokam. On va dire que plus d'informations sur ce sujet en page 4 dans le journal Info Matin de ce jour qui nous parle également des Jeux de Commonwealth, mais parle plutôt du Cameroun médaillé de la fugue. Page 5, 6 et 7 dans votre journal Info Matin de ce jour. Allons-y découvrir la grande une du tri-hebdomadaire L'œil du Sahel de Guiba Gatama qui est en kiosque ce matin. Et qui titre en grande une « Télécom, les dessous de l'avenant à la Commission d'Orange Cameroun » en page 3, à lire dans « L'œil du Sahel » de ce jour. En page 10, « El Hadj Mohamedou Abo, je veux relancer le groupe Abo, Logone et Chari ». Ça, c'est en page 3. « Un chauffeur enlevé sur la nationale numéro 1, comment et pourquoi ?» à lire en page 3. « Fenasco 2018, un réfugié nigérian ». Médaillé d'or, page 12. Le soir, le tri-hebdomadaire est en kiosque ce matin et titre sur la présidence de la République, les dossiers chauds qui préoccupent le chef de l'État. Le journal Le Soir semble donc avoir un aperçu de ces dossiers-là. Vous pourrez le lire, lire l'article en page 3 dans le tri-hebdomadaire Le Soir de ce jour. En sa grande une, opération Épervier, le pays pris en otage par les égoïstes narcissiques. En page 4, vous aurez l'info et puis finances publiques.
Motazé joue la carte de la transparence. Cameroun, des larmes des pasteurs devant cet océan de douleur et la vaste industrie du mal se déploie. En page 2, lire l'information dans le journal Le Soir, parution de ce matin. On va mettre un point final à cette revue avec le journal Matila qui titre en grande une « Opération Épervier quitte du recouvrement des fonds détournés ». C'est la grande question posée à la grande une de Matila ce jour. Grand angle Gilbert Baonla dissèque le mal camerounais en page 6 et 7. Vous pourrez donc lire cette info dans Matila de ce jour. Voilà, les journaux ne coûtent que 400 francs au Cameroun. Ne soyez pas des trichologues. Allez plutôt vous abreuver à la bonne source et avoir ces journaux-là, les lire intégralement afin d'être mieux informé. 7h44, Sandrine, cap sur la musique dans Good Morning Cameroun ce matin. Of course, la musique prend le contrôle. At this moment, we go dance. Let's go shake off a little bit. And just after that, we have some other issues that we will talk about after this song.